à tous, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire du mercredi. Nous allons prendre un petit moment pour étudier ensemble la suite de notre ouvrage, euh, l'évangile selon le spiritisme. Mais avant cela, nous allons prendre un moment pour nous apaiser, pour nous recentrer et être tout à fait présents ici, oublier cette journée que nous venons de passer et nous retrouver ici au calme. Prêts à réfléchir et à partager certaines de nos réflexions avec tous ceux ici présents, avec pour support ce texte qui nous invite donc à mieux comprendre ce que nous sommes, ce que nous vivons et ce que nous pouvons partager et faire vivre. Donc, donc élevons nos pensées afin de pouvoir atteindre cet objectif et faisons-le tout de suite. Nous remercions les bons esprits et nos guides de protéger ce moment et de nous réflexions qui seront nécessaires à l'apprentissage de chacun. Vivons ce moment d'étude dans cette commune vibration d'amour et enrichissons-nous encore ce soir de ces merveilleux principes divins qui nous ont été apportés. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Bien, alors, euh, nous allons prendre un moment pour continuer notre étude donc du livre euh, de Kardec, d'Alan Kardec, L'Évangile selon le spiritisme. Nous en sommes euh, au chapitre 11 qui est intitulé ⁇ Aimer son prochain comme soi-même ⁇ Nous nous sommes à étudier... Euh, le passage euh, sur les instructions des esprits, donc c'est le deuxième passage du chapitre, la loi d'amour, et nous en sommes au, à l'item 10. Donc je vous, vous explique brièvement, chaque chapitre de ce livre contient deux, euh, deux passages, deux, deux grandes parties en fait. Euh, le premier, c'est euh, les évangiles qui sont repris euh, et commentés. Euh, le deuxième ce sont des instructions euh, qui sont données pour clarifier l'ensemble de ces textes voilà et donc là nous sommes dans cette deuxième partie du chapitre instructions des esprits à la partie la loi d'amour et là il y a plusieurs euh, items et nous en sommes donc à l'item 10 voilà donc on, on va prendre le temps euh, tout de suite de partager ici euh, la lecture de ces euh, différents euh, euh, passages, et puis on va euh, prendre le, le, le soin de chercher à mettre en évidence euh, le sens et euh, de faire en sorte que chacun ici puisse comprendre et avoir des repères pour justement mettre en œuvre cela dans, dans le quotidien. Alors commençons tout de suite donc l'item 10, la loi d'amour. Mes chers condisciples, les esprits ici présents vous disent par ma voix Aimez bien, afin d'être aimé. Cette pensée est si juste, que vous trouverez en elle tout ce qui console et calme les peines de chaque jour. Ou plutôt, en pratiquant cette sage maxime, vous vous élèverez tellement au dessus de la matière, que vous vous spiritualiserez avant votre dépouillement terrestre. Les études spirites ayant développé chez vous la compréhension de l'avenir, vous avez une certitude, l'avancement vers Dieu, avec toutes les promesses qui répondent aux aspirations de votre âme. Aussi, devez-vous vous élever assez haut pour juger sans les étreintes de la matière. Et ne pas condamner votre prochain avant d'avoir reporté votre pensée vers Dieu. Alors déjà ici nous avons plusieurs aspects que j'aimerais euh, euh, que nous puissions euh, euh, bien bien comprendre. Euh, alors attendez, hop, voilà. Donc nous avons une invitation qui nous est faite, c'est d'aimer bien afin d'être aimé. Aimer bien afin d'être aimé. Nous avons à comprendre que nous sommes tous venus sur Terre afin d'apprendre à aimer. Alors il y a plein de façons d'aimer. On peut aimer un objet, une situation, une plante, un meuble, euh, un animal, une personne. On peut s'aimer soi. <laughs> Donc il y a tellement de façons d'aimer qu'il serait utopique et illusoire de vouloir toutes les lister. L'idée ici, c'est de comprendre qu'il y a effectivement plusieurs euh, niveaux de, dans cet apprentissage et qu'il va falloir que nous puissions tous passer à travers euh, chacun de ces niveaux. Donc il y a l'aspect matériel, l'aspect intellectuel et puis enfin l'aspect moral nous allons nous situer euh, afin de comprendre où est-ce que nous en sommes. Et on nous invite ici à aimer, et puis on nous précise bien. Donc, si on nous dit bien, il va falloir comprendre de quel point de vue nous nous plaçons. D'accord Comment on va savoir que c'est bien ou c'est pas bien, que c'est bien ou mauvais Donc, la référence ici, sera euh, la loi divine ou les lois divines, celles qui vont être parfaites, immuables, celles qui sont justes, celles qui seront toujours les mêmes, quelles que soient les circonstances et les individus, quels que soient les temps, les lieux. Donc aimer bien se réfère donc à ce point de vue. La volonté de Dieu. Les lois morales, lois naturelles, nous invitent à parfaire notre compréhension de l'amour et c'est ensuite, une fois que l'on aura mis du sens, que nous pourrons mettre en œuvre, comprendre pour apprendre. D'accord Donc on met d'abord du sens et ensuite nous mettons en œuvre, en application, ce que l'on aura compris. Donc, aimer bien suppose que nous allons prendre le, le soin, le temps, d'aller au-devant de cette compréhension, d'aller chercher à mettre du détail, à mettre ici le temps nécessaire pour bien comprendre cet amour. Alors, l'amour dont nous parlons ici, c'est un amour divin. Qu'est-ce que ça signifie Un amour inconditionnel. Donc, il n'y a pas de condition à cet amour. C'est-à-dire, on n'attend rien en retour. On va le faire parce qu'on peut le faire, parce qu'on veut le faire. C'est un amour universel, accessible à chacun ici, à mettre en place en fonction de la volonté finalement de chacun. Donc, cet amour divin, ne met aucune condition pour que l'on puisse le vivre, pour qu'on puisse le partager, le donner. C'est de cet amour dont il s'agit. Bien sûr, avant de pouvoir le comprendre totalement, il va falloir pour nous bah, d'y aller pas à pas, progressivement, de nous rapprocher de plus en plus jusqu'à pouvoir vivre pleinement, intégralement. De façon constante, cet amour divin inconditionnel. Donc, nous ne sommes pas parfaits, <laughs> et aujourd'hui, il nous est encore difficile d'être dans cette constance, dans cette pleine compréhension. D'accord Donc, l'idée, euh, l'idée, c'est vraiment de, de comprendre cela. Alors, attendez, on me dit qu'il n'y a pas de direct sur YouTube. Je regarde. Si, il y en a un. Non, il n'y en a pas. Hein. Je pas eu de notif non plus. Alors, voilà, attendez. Ok, alors, attendez, on va faire en sorte. Effectivement, il y a. Euh, il manque Il en manque un. <laughs> ok, alors attendez, on va faire. Est-ce que je peux rajouter Non, je pense pas que je vais pouvoir rajouter ici. Euh, ok, bon bah c'est pas grave. On va faire ici sur les, les réseaux sociaux que l'on a, et puis je le mettrai euh, après coup. Euh, je sais pas pourquoi ça n'a pas déclenché. Bon, bah, des soucis techniques. Ok. Donc euh, là sur euh, sur Facebook ça fonctionne. On est, on est d'accord Oui. Oui. Ok, très bien. Eh ben, on va continuer. Je mettrai la, la vidéo après sur YouTube. Ok Merci d'avoir fait la remarque. Alors, euh, où est-ce que j'en étais Donc on parlait d'aimer bien. Aimer bien. Nous allons ensuite avoir euh, ici d'autres euh, indications importantes. On nous dit les études spirites nous permettent de développer chez nous la compréhension de l'avenir. Et, et c'est très important cet, cet autre aspect, puisque ça va nous permettre d'affiner notre point de vue, notre compréhension du monde. Et euh, sans, sans cette euh, euh, vision spirit, il, il sera plus difficile ou ce sera euh, incomplet. Euh, il y a bien sûr d'autres façons de penser et de vivre la vie, d'autres doctrines, d'autres enseignements euh, qui nous invitent à nous spiritualiser, à relativiser euh, notre vie ici sur Terre, à nous affranchir de plus en plus de la matière pour ne pas en subir toute l'emprise. Donc, il y a fort heureusement de nombreux autres enseignements, mais aucun aussi complet que euh, le spiritisme. Donc, l'étude spirit nous permet justement de nous affranchir de cet espace-temps, de nous projeter dans l'avenir en ayant la compréhension que nos choix ont des conséquences, parce que nous avons ici les témoignages des uns et des autres qui reviennent de ce plan spirit pour nous inviter à, à, à raisonner, à réfléchir sur nos actions. Donc, du monde des esprits, nous avons des témoignages et ainsi nous pouvons aujourd'hui mesurer les conséquences de nos choix. Donc, à nous d'être attentifs. Dès à présent, nous avons à notre disposition déjà de nombreux écrits qui nous permettent cette compréhension, cette réflexion. Et si ce n'est pas encore suffisant, nous aurons des témoignages reçus par des médiums qui vont nous permettre d'affiner notre compréhension de cette vie ici présente, de celle qui nous attend, de celle que nous allons vivre si nous nous ajustons ou si, ne nous, si nous ne nous ajustons pas aujourd'hui. Donc, nous avons la possibilité d'avoir ce panorama qui se dresse face à nous. D'accord une compréhension plus fine de l'avenir, au-delà de cette vie ici sur Terre, bien sûr, et une compréhension du but de la vie, du sens de notre vie, un avancement vers Dieu, Dieu étant la source dont nous provenons et vers laquelle nous retournons. Et entre-temps, il y a... Ce passage ici dans la matière qui nous permet d'affiner notre compréhension, de comprendre les conséquences de nos choix sur nous-mêmes, sur les autres, de réajuster les relations que nous allons avoir les uns avec les autres. Et cette loi d'amour, c'est celle qui va être la plus importante de toutes, celle qui va englober toutes les autres lois morales. Euh, la première des lois, c'est donc la loi d'amour, de justice et euh, de charité. c'est celle qui va regrouper l'ensemble des autres lois. toutes les autres lois morales sont contenues ici dans cette première loi. donc, la loi d'amour, celle dont nous sommes ici en train de parler, est en, en définitive le socle de la fondation de cet édifice. Donc, nous avançons vers Dieu. Nous avons en chacun de nous toutes les ressources pour être heureux. D'accord On nous parle ici avec toutes les promesses qui répondent aux aspirations de notre âme. Ça veut dire que, intérieurement, nous savons ce qui est bon pour nous. Nous avons une conscience de Dieu. Nous avons une conscience religieuse. Au sens relier à dieu hein, religare la religion vient de là se relier à dieu donc nous sommes reliés à dieu parce que nous avons été créés à son image c'est la graine contient l'arbre et le fruit et les fruits qui, qui vont être produits donc c'est exactement cela il, nous va, il va nous falloir passer par différentes étapes dans cette matière, dans cette matérialité, pour justement euh, révéler au monde notre vraie nature, cette nature spirituelle, cette nature divine qui est en chacun de nous. D'accord Alors, au fur et à mesure... Tout au long de ce parcours, de ce cheminement sur Terre ou dans la matière, dans d'autres mondes matériels, nous allons apprendre à affiner nos choix, à ajuster ces choix-là, à adopter un mode de vie qui sera propice à un bonheur plein et total. Ok? Euh... Quoi d'autre On nous dit aussi devez-vous vous élever assez haut pour juger sans les étreintes de la matière C'est ce dont nous sommes en train de, ici de, de parler. Nous allons devoir apprendre à nous affranchir de la matière. Donc, ces étreintes de la matière, c'est ce qui nous ra ramène ici dans la matière ce qui nous, euh, nous maintient prisonniers de la matière. Donc, ça va être quoi Ce sont tous ces plaisirs que nous allons avoir ici, toutes ces jouissances immé immédiates, hein, tous tout ce, euh, ces bonheurs, ces petits bonheurs que nous, nous allons retrouver ici, tous ces désirs de possession, de collection euh, et, et je sais quoi encore. Donc, tout ce qui finalement se trouve et est issu de la matière, euh, tout ce qui est présent ici, et qui nous crée une illusion qui nous crée une distraction dans cette progression vers dieu dans cet avancement vers dieu donc l'idée c'est vraiment de nous affranchir de mettre de la distance par rapport à l'affection que l'on peut porter à ce qui est ici dans la matière pour chercher à comprendre sans être euh, sans que notre compréhension ne soit parasitée par cet environnement matériel. D'accord Et en prenant cette distance, cette, en, 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 nous en, en nous affranchissant suffisamment de cette attraction matérielle pour une position sociale, pour une richesse, pour une beauté, pour une intelligence, pour. Voilà, vous comprenez de quoi il s'agit, euh, nous allons finalement revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui est important pour que je puisse être pleinement heureux Proche de Dieu Proche de Dieu crée en nous cet état de bonheur constant. Nous allons apprendre. Ainsi, au fil de nos expériences ici dans la matière, apprendre cela, comprendre en quoi c'est mieux d'être proche de Dieu. Et nous allons affiner nos choix de vie en fonction de cette compréhension, de cet apprentissage qui se fait ici peu à peu, petit à petit. Et un jour, nous allons... Venir, pouvoir venir ici sur Terre, ou dans la matière, dans un autre monde, sans être distrait, sans être brouillé par cette matérialité, par tous ces attraits ici. C'est pour ça que euh, certains écrits nous disent, en parlant de ces personnes qui sont aveugles, hein, physiquement, qu'ils ont de la chance. Parce qu'ils vivent déjà dans ce monde des esprits plus que ceux qui sont ici avec des yeux pour voir. Parce qu'ils sont bien moins tentés par tout ce monde environnant. Donc, comprenons, au fil de notre cheminement ici, cette invitation qui nous est faite ici. Aimer bien pour être aimé. Donc, on va donner... Et comprenez, hein, aimer bien, donc l'action, elle part de nous. On donne avant de recevoir. Aimer bien afin d'être aimé. Et pas le contraire. On n'attend pas d'être aimé pour donner de l'amour. Donc on donne de l'amour, on aime, on montre, on donne cet exemple. Et la conséquence, ben, c'est cet amour qui sera euh, en retour. Mais ne le faisons pas pour cela. Ce sera juste la conséquence. Et on s'aperçoit qu'ici, hein, dans notre quotidien, quand on aime, on n'a pas toujours cet amour en retour. Donc justement, apprenons à aimer, quelle que soit euh, la situation, quel que soit euh, quel, le frère qui est euh, devant nous ou à côté de nous. Apprenons à aimer. Apprenons à garder ce cap vers Dieu cet avancement vers Dieu, cette compréhension de l'avenir, et du coup, tous les rapports que l'on va avoir ici vont changer, vont prendre une autre dimension que celle qu'on pouvait avoir jusqu'à présent. Est-ce que vous me suivez Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça Ça va Tout le, monde de... Tout le monde est OK alors on va continuer ici avec ce deuxième paragraphe. Aimer dans le sens profond du terme, euh, dans le sens profond du mot, c'est être loyal, probe, consciencieux, pour faire aux autres ce que l'on voudrait pour soi-même. C'est chercher autour de soi le sens intime de toutes les douleurs. Qui accable vos frères pourrait apporter un adoucissement. C'est regarder la grande famille humaine comme la sienne. Car cette famille, vous la retrouverez dans une certaine période, en des mondes plus avancés, et les esprits qui la composent sont comme vous, enfants de Dieu marqué au front pour s'élever vers l'infini. C'est pour cela que vous ne pouvez refuser à vos frères ce que Dieu vous a libéralement donné. Parce que de votre côté, vous seriez bien aise que vos frères vous donnassent ce dont vous auriez besoin à toutes les souffrances donner une parole d'espérance et d'appui, afin que vous soyez tout amour, toute justice. Là encore, nous avons des informations très importantes. La première, c'est de chercher à parfaire notre compréhension de ce mot amour. On l'a dit tout à l'heure, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour qui s'est affranchi de cette matérialité dans laquelle nous nous, nous évoluons, d'accord. Donc c'est finalement un amour pur, un amour d'être à être, de cœur à cœur, d'esprit à esprit. Et pour cela. Il va falloir finalement connaître l'humain, connaître la misère humaine. Et c'est ici l'invitation qui nous est faite. Comprendre pourquoi les uns et les autres souffrent. Alors prenons un, un instant pour comprendre ça. D'accord Pourquoi nous souffrons Pourquoi nous souffrons et si on prend un instant pour chercher dans cette instruction spirite les raisons de notre souffrance, eh bien, tout s'éclaire, tout devient plus simple à vivre. La souffrance apparaît dès lors que nous sommes en infraction avec la loi de Dieu. Nous en avons parlé tout à l'heure. Cette loi d'amour, cette loi de justice cette loi de charité. Dès lors que nous sommes en infraction avec celle-ci, apparaît la souffrance. Donc la souffrance naît soit de notre ignorance du respect de cette loi, ignorance de la loi, soit de notre complaisance à rester dans Hors la loi, hein, si, si on fait le raccourci, à rester dans cette infraction, à faire ce qui est contraire à ce qui nous est invité ici dans cette loi. La loi nous invite à nous améliorer en tout point, à nous rapprocher de Dieu, à faire à l'autre ce qu'on aimerait qu'on nous fasse à nous-mêmes. D'accord Donc, c'est de considérer l'autre comme notre frère. Et. Il est expliqué ici que l'autre est notre frère parce que nous sommes issus d'un même Père. Ce Créateur nous a tous créés. Et parce que nous avons tous été créés par le même Créateur, le même Père, nous sommes tous frères. Nous faisons tous partie d'une seule et même grande famille. Donc, cette vision-là, cette compréhension permet de remettre tout le monde à sa place. Ici, sur Terre, on cherche à nous faire comprendre qu'il y a des classes, qu'il y a une hiérarchie et qu'il est compliqué de passer d'une classe à l'autre. Alors que dans la vision spirit, il y a bien des classes, mais ce n'est pas à la naissance que cela se passe, ce n'est ni par la richesse ou l'intelligence que cela se passe, ce n'est ni plus ni moins euh, avec des intérêts particuliers que nous allons nous retrouver dans telle ou telle classe. Non, les classes apparaissent par nos affections, par justement cet amour dont nous sommes en train ici de, de chercher à comprendre le sens profond. Donc, l'amour que nous allons exprimer va nous faire avoir des occupations. Je vais aimer faire souffrir le plus petit que moi, le plus euh, faible que moi. Je vais aimer euh, instruire les uns et les autres je vais aimer euh, montrer le chemin vers un endroit meilleur, à une situation plus confortable à, aux autres, au plus grand nombre. Donc, toutes ces occupations que nous allons avoir créent des classes différentes. Donc, si je me complais dans le « mal », il me faudra du temps avant d'en de, sortir. Si j'aime ne faire ni mal ni bien, ben je me retrouve dans une autre catégorie, une autre classe. Si je m'efforce au contraire de faire le bien, ben je me retrouve encore dans une autre catégorie. Donc vous voyez, c'est notre rapport au, au fait de partager cet amour avec soi, avec un petit comité ou avec un grand nombre, avec le plus grand nombre. Qui va faire toute la différence, qui va nous mettre dans telle classe ou dans telle autre classe. Et là, nous avons l'échelle spirite, voilà, qui n'est pas comme ici sur la Terre, du fait de notre catégorie socio-professionnelle, de notre naissance, de notre appartenance à tel ou tel euh, autre groupe intellectuel ou de pouvoir, ou de religion, ou que sais-je encore mais bel et bien par ce que nous choisissons de faire, de partager, de vivre, par notre mode de vie, par le soin que nous prenons à faire ceci ou cela. Donc dans l'échelle spirituelle, nous allons avoir ces différentes affections, ces différentes affinités qui vont s'exprimer en sachant que il y a du très 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 mauvais. Donc là, on est très proche de la brute. Hein. On arrive tout, tout juste dans le, le plan humain et euh, on, on, on cherche à se, à se repérer. On croit que c'est parce qu'on va user de force qu'on va être euh, au-dessus de la mêlée. Et puis avec un peu d'expérience, on s'aperçoit qu'on peut aussi user d'intelligence. Et donc là, on passe déjà dans une autre catégorie. Et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que, tiens, mais qu'est-ce que c'est que cette fonction-là que je ne connaissais pas encore, cette émotion qui naît en moi, cette, ce sentiment qui paraît, et puis, ah, je découvre le sens moral. Parce que je me mets à me mettre à la place de l'autre, à comprendre que l'autre, ben, il n'est pas si différent de moi. On, on s'aperçoit qu'avec les expériences... Faites ici, dans la matière, on va progresser lentement, mais sûrement. On va passer d'une catégorie à l'autre. Alors, on va essayer, on va s'essayer à tout. On va avoir plus ou moins de succès. Et puis, il y a cette petite voix de la conscience qui va nous rattraper, qui va nous dire et si tu faisais de cette façon Et si tu empruntais tel chemin Pour justement qu'on puisse avoir l'occasion d'avoir d'autres expériences. Ok, donc cette invitation à comprendre l'autre est fondamentale parce qu'en comprenant l'autre, on, on se découvre aussi. On va se dire mais est-ce que j'aurais fait différemment Est-ce que je fais différemment <laughs> Et puis rappelez-vous quand on pointe le doigt, qu'est-ce qui se passe On a un doigt qui pointe vers celui qu'on qu accuse, qu'on montre, qu'on désigne. Et puis on a trois autres doigts qui pointent vers nous. Et puis il y en a un autre vers euh, ceux qui ne sont pas loin. Hein, c'est les effets collatéraux. <laughs> il y en a pour tout le monde, mais il y en a beaucoup plus pour nous. Donc soyons attentifs à ça. Okay soyons vigilants euh, dans cette compréhension, parce que c'est ça qui nous importe ici. Cherchons à comprendre ce que l'autre nous permet. De comprendre sur nous et sur Dieu. Parce que Dieu, finalement, il est en chacun de nous. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, quand je fais du bien à mon frère, je le fais à Dieu. Et quand je fais du bien à Dieu, je le fais à moi. Parce que j'aime et je suis aimé en retour. Voilà. Et on vient de boucler la boucle. OK Euh, pardon hop on vient ici mettre euh, la suite d'accord on va continuer euh, ce qui a été euh, dit donc comprendre la misère humaine ça nous permet de comprendre ces euh, souffrances de comprendre euh, bah, les choix des uns et des autres et puis peu à peu d'ajuster notre façon de choisir, ses occupations, de faire en sorte euh, d'éviter euh, de plus en plus ce qui est nocif, ce qui est mauvais pour nous ou pour les autres, et de faire un petit peu plus de ce qui est bon pour soi, puis plus aussi pour les autres, etc., etc. D'accord euh, Donc les souffrances sont là pour nous inviter à redéfinir nos priorités et à comprendre quel est le but final? Quel est le sens de notre existence? OK? Alors, on continue. Croyez que cette sage parole, aimer bien pour être aimé, fera son chemin. Elle est révolutionnaire. Elle suit la route qui est fixe, invariable. Mais vous avez déjà gagné, vous qui m'écoutez. Vous êtes infiniment meilleur qu'il y a 100 ans. Vous avez tellement changé à votre avantage que vous acceptez sans contexte, pardon, sans conteste, une foule d'idées nouvelles sur la liberté et la fraternité que vous eussiez rejetées jadis. Or, dans 100 ans d'ici, vous accepterez avec la même facilité. Celles qui n'ont pu encore entrer dans votre cerveau. Alors, nous avons ici une, une information intéressante. C'est que le fait de passer ici sur Terre est passager, d'accord, est éphémère. Ça ne dure qu'un temps. Que nous allons revenir encore et encore et encore. Et à chaque passage, nous allons progresser un petit peu. Nous allons évoluer, progresser avec euh, ben, le contexte avec l'environnement, avec la mentalité du moment, et accompagner ainsi le progrès. d'accord. donc, la réincarnation nous invite à comprendre cela. si je ne le fais pas maintenant, si je ne veux pas apprendre ceci maintenant, c'est pas grave je devrais le faire plus tard dans une autre vie. Et on peut aussi le voir, si je le fais maintenant, je prends de l'avancement pour plus tard. C'est-à-dire que je n'aurai plus à le faire plus tard, je l'ai fait. Je vais faire d'autres choses plus intéressantes encore. Voilà. Donc, on nous parle ici d'une centaine d'années parce que c'est à peu près euh, en moyenne. L'écart entre deux incarnations, d'accord. Certains in réincarnent plus vite que d'autres, d'autres euh, euh, mettront plus de temps parce qu'ils sont dans des conditions euh, qui ne se prêtent pas à une réincarnation rapide. Okay Alors on continue. Aujourd'hui, que le mouvement spirit a fait un grand pas. Voyez avec quelle rapidité les idées de justice et de rénovation renfermées dans les dictées des esprits sont acceptées par la moyenne partie du monde intelligente. C'est que ces idées répondent à tout ce qu'il y a de divin en vous. C'est que vous êtes préparé par une semence féconde, celle du siècle dernier, qui a implanté dans la société les grandes idées de progrès. Et comme tout s'enchaîne sous le doigt du Très-Haut, toutes les leçons reçues et acceptées sont, seront renfermées dans cet échange universel de l'amour du prochain. Par lui, les esprits incarnés, jugeant mieux, sentant mieux, se tiendront la main des confins de votre planète. On se réunira pour s'entendre et s'aimer pour détruire toutes les injustices, toutes les causes de mésintelligence entre les peuples. Alors, c'est quand même une belle, une belle projection hein, dans l'avenir qui nous est fait ici. Qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit que ce que nous vivons en ce moment même, ce que... Nous avons préparé dans le passé et réalisé dans le passé nous permet de vivre ce que nous sommes en train de vivre ici en ce moment. D'accord C'est un peu cet adage populaire hein, qui dit euh, tel on fait son lit, tel on se couche. Donc, si on n'a pas fait, eh ben, on n'a pas un lit euh, propre et, et euh, qui nous permet de nous coucher. Donc c'est exactement ça. Si je veux manger, ben, il va falloir que je prépare cette nourriture, ce plat, pour que je puisse manger. Ben, c'est ça. Nous avons commencé dans le passé et nous continuons à parfaire cet enseignement, cet apprentissage. Donc, il y a une autre, un autre aspect ici qui est important à avoir, c'est cet aspect collectif. Nous ne pouvons pas progresser tout seuls. Nous progressons collectivement et individuellement. L'ensemble de ce progrès collectif permet à l'individu, aux individus, de progresser. Donc le travail que je fais individuellement sert au collectif. C'est ça qui est aussi intéressant de comprendre. Quand nous sommes ici à l'apogée d'une nouvelle technologie, et que nous faisons tout pour que justement nous puissions faciliter la vie en société, que cette technologie prend forme et devient la norme, eh bien tous ceux qui vont venir à présent vont bénéficier de cela. Donc, ceux qui vont venir, c'est qui C'est ceux qui ont déjà été là, puisque nous revenons encore et encore dans ce cycle des réincarnations. D'accord j'ai été mon grand-père ou mon arrière-grand-père, hein, 100 ans entre deux incarnations en moyenne. Donc nous allons revenir ici et revenir encore et encore et encore. Donc ce que je fais là, je vais le retrouver plus tard. Et ce que je ne le fais je ne fais pas ici, ben, quelqu'un d'autre devra le faire ou je devrait le faire d'accord donc c'est intéressant de comprendre d'avoir cette compréhension euh, de ce renouvellement par euh, l'individu et le collectif cette contribution individuelle contribution collective qui nous permet tous de progresser donc si tout le monde y met un petit peu du sien ben, c'est beaucoup plus simple et si tout le monde aujourd'hui Combat le mal en lui, le mal ne se produira plus à l'extérieur, en dehors de, de nous-mêmes. Parce que nous donnerons un autre exemple à ceux qui sont présents. Et c'est comme ça que nous allons progresser. D'accord De génération en génération. C'est un partage, en effet, comme il est dit ici sur le, le chat. C'est un partage. Donc comprenons cela. Hein. Ceux qui ont une vision euh, égoïste, euh, ils oublient tout ça. <laughs> et même si on, on, on ne peut même pas venir tout seul, en fait. <laughs> on ne peut pas être égoïste. Euh, il faut un père et une mère pour qu'on puisse voir le jour ici. Donc c'est de fait déjà un partage. <laughs> on nous donne la vie, on nous donne cette opportunité ici de faire euh, cette expérience de la matière et de progresser, de continuer le travail qui est resté euh, ici en attente, de participer au bien-être collectif. Vous voyez Et ces liens d'affection que nous, euh, nous allons nouer à un moment donné vont se renforcer avec le temps. Parce qu'on va aimer se retrouver les uns et les autres pour continuer à faire ce que nous faisions. Et c'est ce qui se passe dans chaque famille. On a la possibilité de continuer euh, ces relations, euh, de renforcer cet amour, de mettre euh, du détail, de l'affiner, de le sublimer en fait. Voilà. Le but ici, c'est de sublimer chaque expérience, c'est-à-dire d'avoir le, le summum, la crème de la crème, hein, si on, on peut s'exprimer comme ça, le summum de chaque chose, d'aller jusqu'au bout du bout dans la perfection. Voilà. La sublimation, c'est l'essence même de cette action, de cette relation, de, de cet amour. Voilà. Dans les sentiments, c'est ce qui se passe. L'amour est le sentiment le plus sublime de tous les autres sentiments. C'est celui qui est au-dessus de tous les autres. Donc finalement, on va tous, en définitive, vers ce sentiment sublime qu'est l'amour. On continue. Euh... Donc nous allons recevoir... Ce que nous aurons laissé ici pour les autres générations. Et quand on sait que bah, les autres générations, il y a nous dedans, bah, autant faire bien et laisser quelque chose de sympa, parce que nous, on va revenir, donc euh, c'est mieux de penser comme ça. Alors, ça, c'est quand même une vision un peu égoïste, hein, quand même. Si on fait en sorte de bien comprendre ce mécanisme, on va comprendre que. Ben, si on peut le faire, ben, qu'on qu en fasse profiter le plus grand nombre. Je dis le plus grand nombre parce qu'il y en a qui vont pas vouloir, qui vont être en, en retrait par rapport à ce progrès, parce qu'ils auront des réticences, parce qu'ils auront peur et des appréhensions, et, ou ils auront des intérêts particuliers. Donc pour toutes ces raisons, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Il y en a qui vont traîner des pieds ou qui vont au contraire tirer dans l'autre sens. Mais c'est peine perdue, le progrès, on ne peut pas le stopper, on ne peut pas l'enrayer. Le progrès avance, il pourra peut-être s'arrêter pendant un temps, mais il reprendra tôt ou tard. Et ça a toujours été comme ça. Cultiver son soi, en effet. Et puis, dernier petit paragraphe grande pensée de rénovation par le spiritisme si bien décrite dans le livre des esprits tu produiras le grand miracle du siècle à venir celui de la réunion de tous les intérêts matériels et spirituels des hommes par l'application de cette maxime bien comprise aimez bien afin d'être aimé Sans son, Ancien membre de la Société Spirit de Paris, 1863. Donc, un membre de l'association la, de créée par Kardec, qui vient en tant qu'esprit nous donner son point de vue et vient confirmer ce qu'il aura compris ici, ce que d'autres auront cherché à comprendre. Donc, il vient ici nous éclairer sur l'importance des mets sur la nécessité impérieuse d'aimer. Sans cela, point de progrès. Et le but de notre vie, c'est cela. L'essence même de la vie, c'est cet amour inconditionnel qui fait que nous allons tous progresser, physiquement, intellectuellement, puis moralement. Et comme nous sommes dans le règne humain, nous avons à comprendre qu'est-ce que ce caractère spécial dont nous sommes tous dotés, nous autres humains. Ce qui fait que nous sommes différents du règne animal. Contrairement à ce que certains disent, nous ne sommes pas des animaux. Nous pouvons nous conduire comme des animaux, mais nous ne sommes plus des animaux. Nous avons ce sens moral en chacun de nous. Certains l'ont déjà identifié, étudié, accepté, mis en pratique et ont compris déjà un peu d'avance. D'autres, pas encore. Doutent, rechignent, attendent, mais tôt ou tard. On devra tous l'accepter. Nous sommes comme ça, c'est notre nature. Et nous aurons tous, à un moment donné, à développer ce sens moral qui nous permettra de connaître Dieu, de vivre selon ses lois, de le vivre pleinement. Donc aimer bien afin d'être aimé, c'est aujourd'hui plus simple de le comprendre avec cette vision spirite, avec cette euh, compréhension spirite, euh, que si on prend juste un point de vue ici euh, matérialiste de la vie. D'accord Est-ce que vous avez des questions ou des remarques particulières par rapport à ce qui a été dit euh, ce soir Est-ce que vous voulez euh, ajouter euh, des réflexions, poser des questions, revenir sur des points qu'on a ici euh, Abordé. On a encore quelques minutes. C'est bon? Tout est clair? Bon. Oui? Est-ce que je pourrais dire juste une phrase? Bon, deuxième. Alors. On écoute. Voilà. Euh, à partir des enseignements de Jésus, nous comprenons que. Euh, la seule porte qui nous conduit vers Dieu, c'est le prochain. Parce qu'il faut aimer Dieu, le prochain et nous-mêmes. Et oui. pour arriver à Dieu, le prochain est le chemin, est la porte qui nous conduit à Dieu. Oui, c'est ça. D'après les enseignements de Jésus. Voilà. Oui. Donc... Euh... Si, et et, et euh, les réflexions de saint Augustin euh, nous invitent à comprendre cela, nous invitent à comprendre comment connaître Dieu, comment aimer Dieu. Connais-toi toi-même et connais tes frères et tu connaîtras Dieu. Donc l'idée c'est ça, c'est, d'observer les uns les autres c'est ce qui a été dit ici hein, de connaître la nature humaine de connaître la misère humaine pour justement commencer à faire des liens à s'apercevoir qu'on n'est pas si différents les uns des autres quand on fait on fait fi de toutes ces euh, apparences qu'on est tous on, ici sur le même bateau en fait <laughs> on est tous sur le même chemin en direction de Dieu tous voilà certains ont pris plus d'avance que nous D'autres sont plus euh, attardés que, que nous. D'autres ont déjà fait le chemin plein de fois et reviennent à nouveau parce qu'ils ont oublié euh, certains détails. C'est tout. <laughs> et quand on a compris pourquoi on est là, on va effectivement faire attention aux uns et aux autres, à les aider à faire ce chemin jusqu'au bout, en prenant le temps de regarder tous les détails pour éviter de revenir encore et encore et encore et encore. Et ça c'est la punition, c'est finalement de d'aller trop vite sur le chemin, d'ignorer ceci ou cela et puis d'être obligé de revenir parce qu'on a compris qu'on a oublié de faire un truc important. Qu'on a oublié de faire notre mission. Ah oui oui, au fait, j'étais venu pour cette raison et j'ai complètement zappé. Donc le prochain, c'est Dieu, c'est nous-mêmes. Donc, à nous de comprendre cette liaison, ces interrelations qui existent entre nous. Et il nous est dit dans le livre des esprits qu'on serait surpris de connaître toutes, toutes, tous ces liens qui nous unissent les uns aux autres. pas seulement être humain, et pas seulement les esprits, incarnés ou désincarnés. Les animaux, les plantes, les minéraux. Il y a des liens qu'on qu n'a pas encore pris le temps d'apprécier. Donc le prochain, c'est notre frère en humanité, c'est notre frère mineur dans les animaux, les plantes, les minéraux. C'est tout ça. Donc on a encore un long chemin avant de tout prendre en compte. Bien. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose euh... Je regarde là s'il y a des messages. Non, pas de message. Ok, eh bien je vous remercie de votre écoute. On va prendre le temps d'élever nos pensées et puis de réaliser une dernière prière afin de clôturer ce moment. Merci à chacun d'être venu participer ici à ce moment d'échange, de partage, de réflexion. Puissions-nous aujourd'hui intégrer cette compréhension dans notre vie de tous les jours afin d'ajuster notre relation au monde, de le rendre meilleur, plus beau, plus vrai. Plus paisible. Puissions-nous tous apprendre à aimer paisiblement, inconditionnellement. Commençons aujourd'hui, là où nous nous trouvons, avec notre frère, notre sœur, notre père, notre mère, notre époux, notre épouse nos enfants, nos parents, nos voisins, nos employés, nos patrons, avec l'inconnu au bout de la rue, au coin de la rue, l'inconnu dans le village d'à côté, dans le pays d'en face, à l'autre bout du monde. Et un jour nous serons tous unis dans la paix et la joie d'avoir contribué à cette paix. Belle et lumineuse, nous serons tous joyeux d'avoir fait ensemble ces pas sur ce chemin vers Dieu. Commençons aujourd'hui pour renforcer demain et finir après-demain. Cette paix est nécessaire à l'humanité. Commençons maintenant, parce que nous avons compris aujourd'hui. Faisons tout notre possible pour que la paix soit dans notre cœur et soit partagée au quotidien avec tous, tous ceux qui croisent notre chemin. Ainsi soit-il. Merci de votre participation. Merci pour votre euh, attention. Et nous allons euh, nous donner rendez-vous la semaine prochaine pour euh, la suite de nos rendez-vous du mercredi. Je vous rappelle que nous avons plusieurs rendez-vous dans la semaine. Le dimanche soir, ici, nous avons euh, des rendez-vous avec euh, nos frères. Euh, du Brésil, hein, qui viennent à notre rencontre, que nous allons accueillir et traduire pour une série de, euh, d'exposés, de, hein, de thématiques euh, très riches et très variées. Euh, prenons donc le, le soin de venir ici découvrir cette, euh, euh, ce partage et euh, Prenons le temps de poser des questions, de nous poser des questions afin de nous améliorer. Voilà. Il y a euh, d'autres rendez-vous au, au cours de la semaine. Je vous invite tous à aller sur euh, le programme euh, d'activités. Alors est-ce que je l'ai ici Oui, voilà. Euh, hop, voilà le programme des activités à cette adresse. Donc mrspirit.com slash act comme activité. voilà donc mrspirit.com donc mrspirit.com slash act et vous aurez euh, l'ensemble du programme toutes les conférences qui euh, sont euh, prévues là jusqu'à la fin du mois nous arrivons bientôt à la fin du mois donc euh, on va remettre en, en place le, le prochain et je vous invite à, à le découvrir parce qu'il y a Plein de nouveautés, et puis l'année prochaine, encore d'autres nouveautés avec d'autres programmes, d'autres rencontres. Je vous invite à, à découvrir tout ça dans, dans le programme. D'accord? Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Je vous invite tous à relire ces passages, à méditer, à réfléchir à, à tout ça et euh, à ajuster euh, ce qui euh, doit être ajusté, à faire en sorte que la paix puisse émerger dès à présent et je sais que on peut le faire dès à présent voilà il suffit de d'un petit peu de bonne volonté voilà très bonne soirée très belle semaine à vous tous à très bientôt